Bonjour mes petits. Aujourd'hui, nous allons apprendre une leçon de grammaire. Les adjectifs possessifs. S'il vous plaît, ouvrez votre livret à la page 11. Les adjectifs possessifs singuliers. Avec le je, on utilise mon, ma, mi. Pour le je, on utilise mon, ma, mi. Pour le tu, on utilise ton, ta, ti. Pour le tu, on utilise ton, ta, ti. Pour le il et elle, on utilise son, sa, si. Son, sa, si. Mon, ton et son sont pour le masculin singulier. Ma, ta, sa sont pour le féminin singulier. Mi, ti, si sont pour le masculin et le féminin pluriel. Avec le je, on utilise mon, ma et mes. Observe bien les exemples suivants. J'ai un chat. C'est mon chat. J'habite une belle maison. C'est ma maison. Je vis au club avec mes amis. Je fais mon devoir. Je respecte mes professeurs. Je mets mon stylo et mes crayons dans ma trousse. Avec le tu, on utilise ton, ta, ti. Observe les exemples suivants. Tu aimes ta famille. Tu joues avec ta sœur. Tu sors avec tes amis. Tu habites avec tes grands-parents. Tu soignes bien ton chien. Tu mets ton dessin et tes crayons sur ta table. Pour le il et elle, on utilise son. Ça, si. Observe les exemples suivants. Lily aime sa famille. Manon met son tablier. Paul sort avec sa sœur. Il fait ses devoirs avec sa mère.
Elle met sa robe et ses chaussures. Maman est dans le salon avec ses amis. Faisons cet exercice ensemble. Complète avec un adjectif possessif. Faites attention. J'ai une sœur. C'est ma sœur. Frédéric a une maison. C'est sa maison. Tu as un père. C'est ton père. Maman a un chat. C'est son chat. Je respecte parents. Parents, ici, c'est pluriel. Il y a un S. Alors, je respecte mes parents. J'ai une photo. C'est ma photo de famille. Sept. Tu as une famille. Ta famille est sympa. Lily a un chien. C'est son chien. Papa a une maison. C'est sa maison. Il a une sœur. C'est sa sœur. La fille a un chapeau. C'est son chapeau. J'ai un dessin. C'est mon dessin. C'est clair, mes petits? Maintenant, ouvrez votre livre passe-passe à la page 50. Faites attention, mes bons élèves, et écoutez bien. Écoute et complète avec mon ou ma. C'est ma famille. Là, c'est moi. Après, il y a mon frère avec ma mère et mon grand-père. Il y a mon père, ma grand-mère et ma sœur. Après avoir écouté l'audio, complétez avec mon ou ma. C'est ma famille. Mon frère, ma mère, mon grand-père, mon père, ma grand-mère, ma sœur. Écoutez l'audio une autre fois avec les réponses. Écoute et complète avec mon ou ma. C'est ma famille. Là, c'est moi. Après,
Il y a mon frère, avec ma mère et mon grand-père. Il y a mon père, ma grand-mère et ma sœur. C'est fini notre leçon, mes petits. Au revoir et merci.